relation avec Kérosène. C'est un homme, non? Accusé, levez-vous. Vous êtes accusé de produire kérosène en haut et puis en bas. Vous avez déjà trop entendu ça? Oui. Vous répondez quoi? Et alors? Et alors, c'est pas une réponse. Non, mais madame oui. L'accusée. Je produis en haut et en bas. Voilà. Vous produisez en haut et en bas? Oui. Donc, Emma Dobré affirme sur ce plateau qu'elle a des relations avec Kérosène. C'est un homme, non? Oui, on n'a pas dit le contraire. Est-ce que vous affirmez que vous avez des relations? Une fois, on me pose la même question. Oui. Je dis non, non, mais apparemment, ça ne rentre pas. Donc, oui, je sors avec lui. D'accord. On sait que vous Monsieur êtes... Monsieur le procureur, attends. Oui. Madame l'accusée, juste pour nous faire plaisir que vous avez répondu. Non, non. C'est vrai? C'est vrai, oui. Vous sortez ensemble. Oui. Bon, voilà. Je pense que peut-être qu'elle en a marre, mais il y a des circonstances qui emmènent à poser cette question. Vous vous êtes rencontrés sur le net, vous avez dit. Oui. Mais attends, ce moment, c'est Internet, vous partiez chercher Artis ou bien ces garçons partiez chercher? Je vais chercher Artis, ces garçons. Donc, quand vous étiez en train de causer au début, c'était pas par rapport à carrière. C'est dans un peu, vous avez su, vous m'avez dit que vous ne saviez pas que c'était un artiste. Voilà pourquoi je dis je produis en haut, puis je produis en haut. Parce que quand je suis allé sur l'internet, oui. C'était pour chercher garçon voilà. Et un artiste pour produire. Voilà. Je suis tombé sur le bon et je me suis accouru. Vous avez pris toutes les deux. En un, quoi, c'est ça? Voilà, tu as tout compris. Parce que si vous prenez vos économies pour produire quelqu'un. C'est bizarre. C'est bizarre. Sachant bien que vous n'étiez pas dans le showbiz en ce moment-là. Si. Vous étiez dans le showbiz. Showbiz, mais pas productrice. Bon, vous n'étiez pas productrice en ce moment-là. Voilà. Vous prenez vos économies. C'était pas l'artiste aussi le plus talentueux en ce moment-là. Mais vous ne savez même pas que ça allait marcher. Et puis vous produisez. C'était pas une histoire de Sugar Mami, de toute façon, là-bas. Pourquoi Sugar Mami? On sait pas, peut-être. Rosel, c'est mon grand frère. Non, on dit les femmes qui donnent l'argent, s'appellent Sugar Mami. Ah ouais. Ben, t'as ta réponse. Tu t'as répondu ou pas? Non, vous m'avez pas répondu. Monsieur le procureur, vous n'êtes pas satisfait de la réponse? Non, non, c'est une réponse lapidaire. Sur le direct, il y a des gens qui disent, mais les deux, ils sont mignons. On dit que quand Kérosène parle de Emma Dobré, là, beaucoup s'élèvent. Et quand elle parle de Kérosène, elle roule beaucoup les yeux. Qu'ils feraient un beau couple. Et que c'est leur souhait. Quand répondez-vous à vos fans qui disent, mettez-vous officiellement ensemble, que si vous avez réussi, au niveau de la musique, vous pouvez réussir aussi. J'ai compris. Vous avez compris, vous avez compris. Vous avez compris. Mais est-ce que le monsieur il a dit qu'on se mette ensemble? C'est une idée qui vous passe par la tête, c'est ça? Souvent. On dit de parler moins. Non mais attendez, il passe d'après. Demain. À partir de demain. Parce que vous parlez moins, il y a plus l'émission. Donc c'est bon, vous avez compris? J'ai compris, ouais. C'est pas d'accord. C'est pas pour genre de mec que vous aimez. Je sais pas. Non mais il y a un. Mais vous l'avez dit, c'est un genre de mec. Il y a pas un genre de mec. Il y a des femmes qui aiment pas les choses. Non, moi non.